Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais TF1 et la RTB vont lancer un nouveau jeu pour trouver des chanteurs. Alors ça va s'appeler The Voice, et le concept c'est que le jury ne verra pas les candidats. Voilà, c'est ça un petit peu la différence. Et donc ils auront le dos tourné pour ne pas être influencés par le look ou le physique. Mais ouais, exactement. Je vais participer tout de suite. Non, alors je pense pas pour The Voice, mais alors j'ai peut-être un autre concours là où tu aurais peut-être plus de chance. Là, ça s'appelle Karaoke Story. Arrête, c'est quoi tes conneries encore? C'est pas une connerie. Écoute la bande annonce. Non, c'est du sérieux. Écoute. Après la Star Academy, Nouvelle Star et The Voice, les Alcooliques Anonymes présente la Karaoke Story. Ils sont 18 ivrognes à se prendre pour les rois de la chanson, à vous de décider qui doit rester. Cette semaine, 3 nominés sont sur la sellette, mais vous pouvez encore les sauver. Pour Jackie, votez 1. Celui qui n'a jamais été sous au pinard ou au whisky ne doit pas être ami avec tonton Jackie. Si vous voulez garder Marcel, envoyez 2 au 3044. On a bouteille de jaune et j'avale des litres de rhum. C'est pour ça que je... Pour Robert, faites le 3. Depuis 30 ans, je bois dans les tavernes et sous les ponts. Karaoke Story, l'émission qui fait couler beaucoup d'alcool. Et bientôt sur vos écrans. Oui, tout à fait, on en a oublié un d'ailleurs au milieu. Celui-ci, c'est pour tous les Rachida. Ils vont retourner. C'est DJ Nabil Kefta qu'on trouvait dans la libre antenne le soir à partir de 20h. DJ Nabil Kefta bientôt en tournée. Mais oui, tout à fait, exactement. Ouais. Bon, et pour nous en parler, nous avons un des participants, le fameux Jacques, hein, qu'on appelle aussi Jackie le Pochetron. Hein. Comment ça va, Jackie, alors? Ça va au poil, Mickaël. Je viens de terminer ma nuit blanche par un passage dans ton émission. Tout est parfait. Ah bon, bah vous avez pas dormi? Non, j'ai passé la soirée au Garden. Ah, et sinon, Jackie, cette vocation là pour le karaoké, là, ça vous est venu comment? Bah, c'est-à-dire que, bon, avec ma femme et mes camarades du bistrot, voilà, ouais. 30 ans qu'on se réunit un peu comme ça. Ah, c'est génial, hein. Et que je leur pousse la chansonnette un petit peu tous les soirs. D'accord. Donc, du coup, Fernand, le patron du café, il est devenu grand fan de moi. Ah ouais? Alors, il a décidé d'acheter un petit peu du matériel karaoké. Ah, bah, c'est génial, quelle chance. Je peux te dire, mon gars, maintenant, hein, que le very best of de Johnny Hallyday, hein, je te le chante avec des boules caisses dans les oreilles et en fermant les yeux, hein, ah rectal. Ouais. Hein. Ah oui, comme pas mal d'alcooliques dans les karaokés, en non, fait. Non, parce que moi, je t'arrête tout de suite, hein, parce que non seulement j'y mets Johnny, hein, mais en plus, je reprends les grands standards des plus grands chanteurs français et américains encore vivants et morts. On y a avec ça quelques petites paroles de ma propre composition pour y mettre ma goutte, quoi. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Au secours. Bon, très bien. Je pense que désolé, je suis un peu épaté. Ouais, beaucoup de gouttes, oui. Bon, en tout cas, encore toutes nos félicitations. Ah ouais, il a fait tomber son lit. Toutes nos félicitations pour le Karaoke Story, hein, Jackie, puis on espère que vous irez loin dans le jeu. Hein. Merci. Allez, au revoir et bonne journée. Hein. Au revoir.